tous, c'est la GP, j'espère qu'à tous très bien. On se retrouve pour un nouvel épisode du jeu des hommes de Zelda Breath of the Wild pour l'épisode 40, 50 en fait, où on va faire entièrement ce petit donjon, ce grand donjon de Vanaboris. Et on ira battre aussi ce petit boss. Donc je pense que ça ira. Je pense que ça ira. Sauf que en fait, ce que je voulais faire, c'est prendre en photo. Je crois que je l'ai pas pris. Ah si, je l'ai déjà pris. Donc toi tu meurs, voilà, tu me files ton arme. Lance de gardien 1, je l'ai pas. Je l'ai pas. Quelle arme peut-on jeter? Ça par contre, voilà. Non, pas la torche. Jeter, récupérer la lance de gardien, voilà, ça récupère. Ça peut servir, donc montons. Toi, tu meurs, j'ai récupéré des flèches avant de commencer cet épisode pour éviter d'être en rupture de flèches. Je pense que vous pouvez comprendre. Voilà, par contre, d'accord, c'est assez spécial quand même, cet petit endroit. Donc déjà, le boss se situe ici. On a très bien compris. Ensuite, il faut qu'on aille là-bas. Et monter. Parce que je crois que la carte, c'était ici, je crois. Ouais, la carte, c'était là. Donc, hop, on y go. En tout cas, j'espère que la série vous plaît toujours autant. Parce que moi, elle me plaît toujours. Ensuite, je sais pas ce qu'on fera après Vanaboris. J'hésite entre soit faire du secondaire, soit directement aller au piaf. Comme ça, vers les épisodes 60, on commence vraiment le full épisode où on cherche le secondaire. Vous avez désormais accès aux commandes de la créature divine. Ça y est, tu as trouvé la carte de la créature divine? Parfait. Si tu y jettes un œil, tu verras des points brillants. Ils représentent l'emplacement des terminaux de contrôle. Tu vas devoir tous les activer. C'est le seul moyen de récupérer Naboris. Je suis sûr que ça ne te posera pas de problème. Ok. Ok, du coup. Les terminaux de contrôle, allez hop. Position actuelle. Donc, nous sommes actuellement à l'arrière de Vanaboris. Le terminal de contrôle, il y en a un. Il y en a à côté. Il y en a à côté de moi. Il y en a un en haut. Il y en a un dans la tête. Ah, j'ai pigé. En fait, ça se tourne. Et du coup, en fait, je pense que c'est en tournant ce truc qu'on va pouvoir récupérer les circuits. Les terminaux. Circuit désactivé. Circuit activé. Ok. 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 Donc. Il me dit qu'il y a un terminal ici, dedans. Donc, si je comprends bien. Si. On avance. Comme ça, bah ouais, voilà. Pivoter. Si on avance comme ça, normalement. Le truc. Ah, c'est là-bas que ça change. C'est là-bas que ça change. Ok, si c'est là-bas que ça change. Ah oui, monsieur. Je suis bête, c'est ici qu'il faut que je change. Donc il faut que je change par en bas. Ouais, comme ça. Donc voyons voir si on peut rentrer dedans. On peut pas rentrer dedans.
En plus, le truc a l'air d'être bloqué ici. Comment fait-on? C'est une bonne question. Nawak, pourquoi il y a un coffre en l'air? Pourquoi il y a un coffre en l'air? En fait, le coffre, si je le détache, ça va. Ça va. Ah, ou alors il faut vraiment faire un truc. Attends, attendez, attendez, attendez. Faut que je fasse un truc de ce style. Comme ça, et hop! Non! Le coffre! Le coffre, il est tombé. Pourquoi? Pourquoi une telle déshonneur? Bon, rip le coffre, hein, mais. Je pense que c'était ça qu'il fallait faire. Hein. Y a rien là, y aura rien. Bon, si on peut pas avoir celui-là, alors comment va-t-on faire pour les autres? Tout cas, il y en a un dans sa trompe. Donc, s'il y en a un dans sa trompe. C'est qui peut en avoir un dans sa trompe? Ah, il me dit aussi qu'il y en a un là. Il y en a un là, juste ici. Celui-là, on peut y avoir. Celui-là, on peut l'avoir assez facilement, je pense. Celui-là, je pense qu'on peut l'avoir assez facilement. Du coup, il faut le retourner. Il faut le retourner. Ouais, il faut le retourner. Totalement le retourner. On le retourne. Donc, il est actuellement en haut. Il est actuellement en haut. Ok. Là, on a pigé. Donc, ce qu'il faut que je fasse. Aller là, monter comme ceci, Non, pourquoi t'es tombé? Ou alors. Il faut leur bouger. Voilà, comme ça, toi, t'es comme ça. On le rebouge. Je sais pas si ma technique va fonctionner, hein, je précise. Mais je pense que ça peut fonctionner. En tout cas, toi là-bas, tu vas mourir. J'ai dit, tu meurs. Voilà. Ensuite, on est d'accord que le terminal de contrôle, il est juste là-bas. Donc, il faut essayer d'aller là-bas. Voilà. Ou en tout cas, aller ici. Aller là-bas, par exemple. Par exemple, ici, c'est très bien. On rebouge. Non! Non, 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 non. Ah si, c'est très bien en fait. C'est très, très, très bien. Là où je suis, c'est très bien. Je peux donc actionner le truc après. Donc. Voilà, on fait le petit tour. Nickel Chrome. Il n'y a rien là. Non, il n'y a rien. On peut donc actionner le premier terminal de contrôle. Il ne reste plus que 4 terminaux de contrôle. Je sais que tu en es capable. 4 terminaux de contrôle.
Ça va, ça va. Ça va, tranquille. Allons par là. Toi, tu vas mourir. Tu vas mourir, hein. C'est clair et net. Le mec, il a rien à foutre. De se faire toucher, mais voilà, c'est comme ça. On peut péter ce truc, je crois. Hein. On est d'accord qu'on peut péter ce mur. Hein. Voilà, on peut péter ce mur. On peut même péter le mur d'en face. Notre espace de temps, on va bientôt se péter. On va récupérer ça après. Ça n'a pas trop d'importance, je pense, pour le moment. C'est pourquoi là? C'est pourquoi ça? Ah, c'est pour entrer sûrement vers le terminal de contrôle. Du coup, si je comprends bien le délire, il faut que je rebascule ça. Enfin, normalement, le court-circuit devrait en réalité pouvoir ouvrir ça. Je pense que c'est ça le délire. Non, c'est toujours pas bon. Toujours pas vert. Et là, tu es vert. Normalement, le truc est censé s'ouvrir. Même pas. Même pas. C'est-à-dire qu'il doit avoir un autre truc à actionner. Qu'est-ce que ça peut être? Qu'est-ce que ça peut être l'autre truc à actionner? C'est quoi ça là-bas? C'est quoi le truc en haut? Est-ce que c'est un rapport avec ça? Je pense pas, hein. Je pense pas, mais ça a l'air un peu bizarre. Hein. Je pense que ça a l'air bizarre quand même. Ça a l'air bizarre. Ah, j'ai pigé. Faut faire la même chose, mais en haut. Faut faire la même chose, mais tout en haut. Donc, je sais, en fait, c'est ça le truc. Il faut faire ça, mais en haut. Ensuite, tu remontes. Et normalement, là, ça devrait pouvoir actionner le machin. Ça actionne. Oui, ça actionne. Oula, par contre, là, c'est un peu le délire. Là, c'est le gros délire. Hein. Le gros, gros, gros délire. Oula, le gros délire de ouf. Ouf. Oh là. Il y a un délire de... Voilà, bizarre. Bouquet de chevalier. Ah, je n'ai pas assez. Bon, pas grave, hein. En tout cas, toi, tu vas mourir. Bouclier, tu n'as pas assez. Alors, toi, tu as viré. Moi, j'ai récupéré ce fameux bouclier de chevalier. Il y a réellement que ça. Parce qu'en fait, il y a un problème là. Le terminal de contrôle, il est juste en bas. Je peux utiliser mon Donc, bouclier s'il y a que ça, moi je dis il y a un problème. Moi, je dis il y a un gros problème. Bon, en tout cas, on va continuer ce truc parce que c'est un mystère. On est ici. L'autre, j'arrive pas. Hein. Je suis littéralement bloqué. Mais bon, ne vous inquiétez pas, on va continuer quand même. Parce que faut pas déconner non plus. En tout cas, on arrive ici. On va prendre la glaive de gardien juste pour là. Hein. Sinon, pour l'autre, là-bas, j'ai vite fait compris comment il fallait faire. Je pense que il faut. Je pense qu'il faut tout simplement rester ici. Et attendre. Faire ça. Voilà, normalement, toi, tu bloques. Toi, tu bloques. Et. Voilà, donc maintenant on est là. On refait ça.
Et voilà le second truc. Donc voilà, on a donc deux terminaux. Ouais, deux terminaux. Il ne reste plus que trois terminaux de contrôle. Accroche-toi encore un peu. Voilà. Ça va pas être du gâteau quand même, ce donjon. Faut juste refaire un tour là. Parce que maintenant, voilà. Voilà, on a fait le petit tour. Le petit tour de manège. Ensuite, je pense qu'il faut aller en là-haut. Là-haut, il y a quoi? Là-haut, là, quelque chose. Non, il y a. En tout cas, ici, près du demandaire, en haut, il y a quelque chose. Donc, je pense qu'il faut quand même aller là-haut. Par contre, comment on va là-haut? C'est une bonne question, surtout qu'ici, il n'y a rien pour passer. En tout cas, il faut que j'aille là-bas. Il y a un coffre ici. Donc, tournons. On va récupérer ce coffre. Arc de chevalier, ouais, vas-y, on récupère. Ensuite, en fait, je pense qu'il faut passer par là-bas et aller en haut. Parce que je vois juste ça comme solution, hein. On va aller de l'autre côté parce que de l'autre côté, on n'a pas. Il y a un truc de l'autre côté. Je sais pas trop à quoi cela sert. Ah, il y a un coffre là. Cinq flèches explosives. Ok. Ok. J'ai des flèches explosives. C'est plutôt cool. Ouais, c'est cool. Par contre, je sais toujours pas comment aller là-haut, hein. Le problème, c'est que il manque d'indications sur ce donjon, je pense. Je pense qu'il manque d'indications sur ce donjon. Ou alors, j'ai une technique. Je pense même que c'est ça la technique, je pense. On peut voir très bien qu'il y a quelque chose ici. Bon, enfin, en tout cas, on peut voir qu'il faut exploser ce truc. Voilà, on a déposé ce truc. Et il faut aller là-bas. Donc voilà, on va là. On récupère le coffre. Ressort antique. Waouh, ça valait le coup de venir. Il n'y a réellement que ça. Il y a réellement. Willy? Il n'y a vraiment que ça ici. Ah. Comment fait-on pour avoir ce foutu? Ces foutus trucs qui sont tout en haut. Je pense que la seule solution, c'est vraiment d'aller par la gouttière en haut, hein. Ah, mais ouais, c'est ça. Il faut aller là-haut. C'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Ça peut être que ça, la solution. Ça peut être réellement que ça. Du coup, on va juste. Je peux quand même revenir en haut là, quand même. Non, je peux pas, je peux pas, je peux pas. En tout cas, il faut que toi, tu te ramènes là-haut. Pour que toi, tu tournes. Voilà, toi, tu tournes. Tu tournes, tu tournes, tu tournes. Du coup, on va aller en haut, tout en haut, tout en haut du dromadaire. Parce que je pense que le fait de pouvoir monter sur son crâne, je pense que c'est ça en fait, c'est faut monter sur sa trompe. Voilà. Voilà. Ah oui, d'accord, j'ai pigé. Où est le truc?
Voilà. Toi, tu t'accroches. Ensuite, il doit y avoir un autre truc qui doit être quelque part. Par où? Je sais pas trop où, mais il doit y avoir un truc quand même. Bon, faisons cette ligne. Peut-être qu'elle a donné des indications. Non, rien du tout. Elle me donne aucune indication. Ok, en fait, c'est ça l'énigme. Il faut pour faire ça. Vas-y, tu voilà. La trompe se lève. Ah ouais, avec un système d'ascenseur et tout. Ah ouais, c'est stylé. Vachement stylé. Non, 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 non. Tu fais n'importe quoi là. Tu fais n'importe quoi. Ah putain la merde. Vas-y, faut tout que je recommence. Donc normalement la trompe se lève. Et c'est du fait que la trompe se lève que je vais pouvoir aller en haut du dromadaire et pouvoir récupérer toutes les autres terminaux de contrôle. Donc je pense que c'est que ça en fait. Je pense que c'est ça. Je pense qu'on s'est débloqué. Fallait juste savoir qu'il fallait aller en haut. En soi, les donjons ne sont pas super compliqués. Hein. Faut juste comprendre le système. Parce que là, maintenant, je sais qu'il faut juste faire ça hein, pour se débloquer. Hein. Donc, il n'y a pas de grande utilité. Il ne reste plus que deux terminaux de contrôle. Garde la tête froide, surtout. Donc, normalement, depuis ici. On est censé pouvoir. Bah, en fait, on est censé pouvoir aller de l'autre côté, hein, en faisant ça. Non! Je crois que je me suis failli, je crois. Je crois que je me suis un peu failli. Bon, après, c'est qu'un fail parmi tant d'autres, hein. Avec moi, on me connaît, hein. Mais. Moi, tout ce que je veux savoir, en fait, c'est où est la bestiole qui bloque le passage. Elle est où, cette bestiole? Parce que là, en fait, on peut très bien... Oula, oula, oula. Je te protégerai. Je me suis fait mal par un truc, mais... Par ça, je crois. Ah oui, ça, parce que... Ça... Ah oui, ça fait mal, ça. Ouais, j'ai bien peur que le truc... Il soit à l'intérieur... Du coup, il est temps de détruire toutes les bestioles qui nous empêchent de passer. Je tente un truc, je tente de tirer le gardien. Je sais pas du tout si ça va marcher, hein. Mais je tente de tirer le gardien de... Peut-être que c'est ça la solution. Parce qu'on voit très bien que le jeu nous oblige à voir qu'il y a quelque chose à l'intérieur. Donc je pense que c'est ça. Je pense qu'il faut tirer sur le gardien. Et peut-être que ça va activer quelque chose. Parce qu'en fait, le problème, c'est que je vois même pas une petite tête dépasser. Genre, ça aurait pu être là-haut. Non, même pas. Je vois rien du tout. Donc il faut faire. Faut voir. Faut faire attention. Donc, bon, maintenant, tu as juste à remonter. Voilà, tu remontes, voilà. Maintenant, je te tire dessus. Et tu débloques rien du tout. Tu débloques rien du tout. En fait, tu t'es juste fait tuer parce que... bah voilà, c'est comme ça. Ou alors, il faut que je fasse pareil, mais de l'autre côté, il faut que je...
faut que peut-être que je fasse la même chose de l'autre côté. Parce que je crois qu'il y avait un cristal de l'autre côté aussi. Genre ici, il n'y a pas un cristal où je peux aller là-haut pour monter. Même si ça a l'air quand même d'être un beau bordel pour arriver. Y a-t-il un cristal de l'autre côté? Ah oui, il y a un truc là-haut. Il y a clairement un truc là-haut. On voit qu'on peut entrer quelque chose là. Vous voyez là-bas? On peut avoir, on peut voir qu'il y a quelque chose. Donc, je pense que c'est ça aussi qu'il faut faire. Du coup, comment va-t-on faire pour pouvoir passer? Il faut essayer de pouvoir passer de l'autre côté. Donc, hop, toi tu fais ça. Toi tu fais ça. On va essayer de faire un truc assez farfelu, hein. Donc, on est là. On est là, on est là. On monte. On monte. Donc, on est ici. Donc, on est là, voilà. Normalement, on peut aller là-haut. Voilà. D'ailleurs, on peut récupérer ce coffre qu'on n'a pas récupéré tout à l'heure. En arbre antique, ça valait vachement le coup de retenter. Moi, je dis... archivaler, ça, il fallait vraiment avoir le coup, hein. Donc, après, on est ici, et on est toujours dans le même bordel, parce que je me suis fail. C'est pas ça que je voulais faire. Donc, recommençons. Recommençons, mais intelligemment. Recommençons intelligemment. Non, 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 non. Ça ne va plus. Ça ne va plus, je ne suis plus en route. Là, c'est... je suis une merde. Je suis une sous-merde. Voilà. Non, 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 mais arrête, saute, saute, saute. Voilà. Faut juste arriver à... à monter là-dessus, là-bas. Non, non, tu sautes là. Merci. Ouais, ouais. Après, on fait ça. On remonte. Et on arrive à faire le truc demi-tour. Faut juste pas se foirer. Voilà. Voilà, pas de problème. Pas de problème pour y arriver, en fait. No problem. Donc, nous sommes ici. Il y a le générateur qui est là. Il y a tous les trucs qui sont activés. Oui, il y a tous les trucs qui sont activés. Il y a tous les trucs qui sont activés, mais ça, par contre, ils sont pas activés. Donc, il doit y avoir un truc qu'on doit faire en haut. Oh non, pas encore un... Il y a toujours une porte qui bloque. Ça casse les couilles. Pourquoi il y a toujours un truc qui bloque? Je pense qu'il faut vraiment que j'aille au milieu. Hein. Le problème, c'est que comment va-t-on au milieu? C'est ça le problème. On va voir comment... On va au milieu. Parce que le problème, c'est qu'il n'y a aucun
Y a aucun endroit où on peut aller au milieu en fait, c'est ça le problème. Ah, en fait, j'ai compris. Faut que je refasse ce putain de truc. Voilà. Que je déplace ça comme ça. Voilà. Non, non, que. Voilà, ici. Que. Toi, je te déplace. Là. Que toi, je te déplace. Là. Et toi, je te déplace. Là. Donc normalement tout ça c'est revenu en ordre. Petit jeu d'électricité, hein. Petit jeu d'électricité. Bon, tu vas passer là, s'il te plaît. Merci. Donc, ça fait ça. Ok, ça fait ça. Ok, d'accord. Ça. Ok, pourquoi pas, hein. Pourquoi pas. Voilà, toi tu meurs. Enfin! Fou! Bon. On avance. Toi, tu meurs. On va pouvoir enfin avancer cette petite armature. En plus, on peut voir l'autre dromadaire là-bas. Bon. En tout cas, faut résoudre le problème d'ici. Attends, il n'y a pas un terminal de contrôle ici? Non, il n'y en a rien. En fait, il m'en manque un, en fait. Il m'en manque un, il m'en manque... Ah non, il m'en manque deux. Il m'en manque deux. Vas-y, monte. Je veux. Mais tu peux monter, s'il te plaît? Bon, pas grave. On va voir ce qu'il y a là. On va voir ce qu'il y a là, quand même. Faut pas déconner non plus. Toi, tu meurs? Non, l'arc, le truc s'est pété. On va prendre cet arc. Truc qui se. Archi nul. Bon bah là, pièce inutile. Autant vous dire, pièce inutile. Il faut essayer de rétablir l'électricité en haut pour pouvoir passer en bas. Donc j'attends bah, que l'ascenseur revienne. Voilà. On va récupérer le coffre en passant. Vas-y, le coffre. Donc, vis antique. Ok. Ok, vis antique, c'est bien aussi, hein. Oh, il y a un truc là-bas. C'est quoi ça là-bas? On peut prendre? Non. On peut prendre le truc que j'ai vu là? La boule électrifiée là? Est-ce qu'on peut prendre la boule électrifiée? Oui, on peut prendre la boule électrifiée. Je veux prendre la boule. Non! Coincé, bordel.
Je pense que c'est ça. Je pense qu'il faut mettre la boule électrifiée entre le générateur et le cristal pour que ça fasse de l'électricité. Je pense que c'est ça. Tu sais ça, je digère à moi-même. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Ah bah il fallait juste faire comme ça, d'accord. Hein. Genre, je me suis un peu compliqué la vie, je crois. Vis antique, qu'on récupère. Je crois qu'on a la fin. Là, je crois qu'on a la fin. J'ai compris comment il fallait faire. Il était quand même complexe. Il était complexe, ce donjon, quand même. Pourquoi on va en haut, là? D'accord. On récupère ça pour un mystérieux truc que je pige pas. Bon, on va la déposer en bas. Hein. Enfin, je sais pas pourquoi il y a ça en fait. Je sais pas pourquoi il y a ça du coup. YOLO! Oula! Oula, je suis un peu con quand même, comme mec. En tout cas, il y a le terminal de contrôle, j'avais même pas vu. Donc, faisons-le, hein. Il ne reste plus qu'un seul terminal de contrôle. Un dernier effort, Link. Ah, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah, oh, yeah, oh, yeah. Bon, je me suis fait mal, mais on s'en fiche. Ah. D'accord. D'où pourquoi il fallait la petite boule. Donc. Normalement, la boule est censée être là, voilà. Toi, tu récupères. On met là. Non, non, tu mets pas là. Faut faire quoi là? Parce que... Ah d'accord, j'ai compris. J'ai compris. Faut le mettre en haut. J'ai compris, faut le mettre en haut. Et normalement, c'est censé passer. Ah ouais, mais y a rien que je peux faire là. Comment fait-on? Oui! Oh, c'est bon. J'ai réussi à passer? Bah ouais, j'ai réussi à passer. Oula, 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 oula,
Donc, où est le trou? Ah, le trou est là. Voilà. Normalement, là, c'est fermé. C'est même pas fermé. Il aurait pu fermer, hein. Donc, dernier point de contrôle. Et ensuite, c'est le boss. Beau travail. Tu as activé tous les terminaux de contrôle. Maintenant, autour de l'unité principale. Si tu regardes ta carte, tu verras un gros point brillant. C'est là que tu la trouveras. Mais ne prends pas la grosse tête, d'accord? Êtes-vous prêt pour notre petit combat? Pour le combat que j'attends. Le petit combat que nous attendons tous. Par contre, il est possible de peut-être de descendre un peu plus vite. Oui, par là. C'est possible de descendre par là. Donc, il faut juste attendre, par contre, là. Bon, c'est assez galère. Mais il faut attendre. En tout cas, c'est un donjon que j'ai bien aimé. Je me suis aidé d'aucune soluce, donc j'ai cassé la tête. Vous, de votre côté, vous, les ellipses vous auront bien servi. Et moi, bah, ça m'aurait fait plus de taf. Tout simplement. Bon, en tout cas, il est l'heure d'affronter notre petit de boss de foudre qui, moi, je me suis déjà spoilé parce que pendant l'épisode bonus, vous avez vu le boss de foudre, mais pour ceux qui l'ont pas vu, je vous laisse le suspense. C'est un monstre créé par Ganon pour nous combattre. Il y a 100 ans, je n'ai même pas eu le temps de le frapper. Il m'a éliminé en un instant. Mais ça ne t'arrivera pas. Pas à toi. Tu sortiras victorieux de ce combat. Je le sais. Allez, rapide. Fais attention. Ne la laisse pas te surprendre. Ouh ! Ah ouais, d'accord. Ah, le mec, là, il déconne pas. Il déconne pas du tout. Toi, tu brises son... ma greffe de gardien s'est pété. Là, faut vraiment y aller corps à corps et non pas par flèche. Ah oui, c'est ma greffe de gardien qui s'est pété. On va utiliser l'épée de légende, autant vous dire. Hein. D'ailleurs, pourquoi l'épée de légende à la 60 là? Ah oui, parce qu'il y a peut-être Ganon juste ici. Ouais, je sais pas, c'est peut-être pour ça. What? Mais j'ai utilisé mon bouclier. Bordel de shit. Bon, en tout cas. En tout cas, il nous reste des fées. Hein. Il nous reste 4 fées, donc... voilà, ça passait crème. Ça a clairement passé crème. Mais faut faire attention quand même. Hein. Très bien. Comment ça, très bien? Régénération dans 9 minutes 52. D'accord, en fait il faut vraiment utiliser l'épée pour pouvoir qu'elle se régénère. On va prendre l'espadon Gerudo. Où es-tu? Ah, tu es là. Le moment.
Ok, j'ai compris comment il fallait faire. Oula, faut vraiment pas y aller au corps à corps. Faut vraiment pas y aller au corps à corps. Mais bordel, utilise ton bouclier, bordel de shit. Ah ouais! Même avec le bouclier, ça marche pas. Même avec le bouclier, ça marche pas. Ah oui, ce boss est chaud. Mes amis, ce boss est chaud. Mamma mia. Descends, c'est une mauviette. Vas-y, descends. Vas-y, descends le con, là. Ça va? Pas trop secoué. On va prendre un truc. Le boss nous met cher. Le boss nous met vraiment cher. Je sais pas pourquoi. Je sais pas du tout pourquoi il nous met cher. Peut-être parce qu'on n'a pas le niveau. En tout cas, on va se soigner. On va se soigner par un truc, par exemple ça. Voilà. Un truc qui ne redonne pas beaucoup de cœur. Et qui ne sert pas à grand chose. Genre ça. Genre ça, ça augmente la défense. Ah oui, il y a mon bouclier qui s'est pété aussi. Ah mais c'est pour ça que je suis cher aussi. What, il y a mon bouclier qui s'est pété. Bordel, mon bouclier il se pète. Encore une attaque comme ça et ton compte est bon. Faut faire gaffe, faut faire clairement gaffe. Va se régénérer. Bordel. C'est quoi ce boss? Il me met trop cher. Il me met clairement trop cher. En fait, je sais pas comment le battre. C'est... Putain, mais en plus le problème c'est que avec les épées à la main, bordel, avec les épées à la main, à deux mains, c'est impossible avec ce boss. Putain, mais il nous met cher, il nous met clairement cher. Parce qu'en fait, il me faut des épées à juste à une main. Épée des flammes, équipée. Là, ça y a une main. Là, ça y a une main. Je pense que ça va être bon. Qu'est-ce qui peut rendre beaucoup de vie? Récupération totale. C'est quoi comme récupération totale? Plus 5 heures. Ah ouais, c'est ça. On va pas utiliser ça. On va prendre ça. Bordel, il fait. Son électricité fait mal. Hein. Vas-y, voilà. Enfin la deuxième phase. Oh là. Oh là, oh là, oh là. Allez, buvons ce truc. C'est pour la discrétion. Prenons ça. Tu es où? Monsieur. Oula, oula, oula. Il se passe quoi là?
Bon, tu es où, monsieur? Vas-y, descends, monsieur. Il fait quoi depuis tout à l'heure, ce con-là? Je sais même pas où il est. Je sais même pas où il est. Du coup... Oh, flèche en bois. On récupère flèche en bois. Oh là, oh là là. Faut juste pas se mettre dans ces trucs. Il est où? Il se cache, ce petit. Il se cache, et lui, il se cache. Ah, il est là-bas. Il est assez complexe, ce boss, hein. Je sais pas vous, mais pour moi il est complexe. Hein. Pour moi il est complexe. Je sais même pas comment on le fait redescendre en fait. Oh là, oh là. Vous avez lâché l'arc lézal. L'arc lézal, il est où l'azal là? En plus il a plein de vie ce petit boss. Petit mais puissant, hein. Petit puissant. Hein. Ce. Putain, comment on fait pour le battre ce truc? C'est exactement comme hier. Exactement comme hier, je sais pas du tout comment on le fait. Enfin, pas comme hier, mais comme avant-hier. Faudrait que je renvoie ces éclairs. Comment j'envoie ces éclairs, moi? Par. Par ça? Ah! Ah ah! Vas-y, 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 vas-y. Ok, d'accord, j'ai pigé. Bon, j'essaye de prendre un truc. Voilà, je crois que c'était ça qu'il fallait faire.
Oh là, par contre, là, il est déchaîné. Hein. Oh là, il est déchaîné, mon pote. Déchaîné. Bon, en tout cas, on a réussi à terminer cette phase, hein, cette phase de la mort. Hein. Prenons ça, champi vigueur. On va prendre quoi d'autre? On va prendre ce truc. Cheetahs. Voilà. Y'a pas une épée à une main que je peux prendre? Genre ça, c'est à une main? Ouais, c'est à une main. Vas-y. J'ai juste peur que ça régène. Ça le régène vu que c'est juste l'électricité. Ah, il a quand même beaucoup de vie, hein, quand même, ce boss. Hein. On récupérera l'espadon de après. Oula. Pourquoi il me régène que 4 coeurs, hein, ce con? Je sais pas pourquoi il me régène que 4 coeurs. En tout cas, on va reprendre ça, voilà. On s'en fiche, je sais où en trouver, ces trucs comme ça. Je me suis fait déséquiper tout? C'est quoi ce bordel? Ah, l'épée de légende, réanimée. Voilà, c'est bon, il est mort. Donc voilà, on va quand même récupérer nos affaires en bas. Hop, il n'y a pas d'autre affaire là-bas. Non, il n'y avait rien d'autre. Donc, on peut donc y aller. On peut donc continuer à faire ça. Voilà, il y a plein de flèches en bois, on récupère tout. On récupère le petit réceptacle. C'était un combat assez difficile. Bon. En tout cas, je vais faire une petite ellipse parce que j'ai plus de batterie, de place dans ma clé USB. Parce que ça fait quand même 1h30 que je tourne. Vous, je sais pas combien ça vous fait, mais pour moi, ça fait 1h30 parce que j'ai galéré dans le donjon et pour le boss. Et donc voilà. Donc petite ellipse. Heureux. Donc, on continue. On va parler à la petite Urbosa la Grande.
Attends, oui, je vais activer, bien sûr. Bien sûr que je vais activer. Pas mal du tout. Non seulement tu as libéré mon âme, mais grâce à toi, Naboris est à nouveau sous notre contrôle. Ce qui veut dire que je vais enfin pouvoir terminer ma mission. Autrement dit, t'aider à accomplir la tienne. Je n'attends qu'une chose, c'est ta confrontation avec Ganon au château d'Hyrule. Avec ma créature divine de notre côté, ce monstre va passer un sale quart d'heure, tu peux me croire. Ah, au fait, j'ai quelque chose pour toi. Je remets mon pouvoir, la colère d'Urbosa, entre tes mains. Crois-moi, tu vas en avoir besoin. Je sais que vous avez souffert, la princesse et toi, de ce qui nous est arrivé. Mais on n'y pouvait rien, c'est comme ça. Et ce n'était pas votre faute. Alors, dis-lui bien ça, s'il te plaît. Dis-lui d'arrêter de se faire du mal. Et dis-lui aussi qu'elle a de quoi être fière. Prends bien soin d'elle pour moi. Oh. Et puis, Dirul aussi, quand tu y es. Nabor, sage parmi les Gerudo, acclamé par la légende. Ton nom est un hommage à sa mémoire, fière créature. Tu appartiens à notre peuple, toi aussi. La grande, la puissante Naboris. Cette chose nous a vaincus bien trop facilement il y a 100 ans. Mais cette fois, elle ne s'en tirera pas à si bon compte. Ganon le fléau. Si l'on en croit ce qu'on raconte, il est né de notre peuple, lui aussi. Voilà pourquoi nous allons l'affronter de toutes nos forces, toi et moi. Il le faut, pour l'honneur de la tribu Gerudo. Attends seulement que je le tienne à ma merci. Dès que Link aura engagé le combat,
On va lui mettre une raclée qui compte dans la vie d'un démon. Il va en faire une tête. Je vois ça d'ici. Colère d'Urbosa. Le pouvoir du prodige Urbosa permet de faire tomber la foudre autour de vous. Maintenez Y enfoncé, puis relâchez-le pour l'activer. Donc, c'était le troisième pouvoir. Donc, on peut l'utiliser trois fois apparemment. Donc, c'est plutôt cool aussi. Et vous avez peut-être pu remarquer, et j'ai oublié de prendre en photo le boss. Mais c'est pas grave. Hein. On sait que maintenant qu'on peut acheter des photos. Dire le laboratoire antique des Lémites. Donc, c'est pas super grave. Il faut juste farmer des rubis, voilà, acheter, voilà. En plus, ça enlève tout ce fardeau de nous en tant que joueur plutôt. Où il faut se dire à chaque fois, il faut que tu prennes un tel, il faut que tu prennes un tel. Sinon, bah, tu vas pas pouvoir faire le jeu à 100%. Mais bon, maintenant, c'est pas grave. Il suffit juste d'acheter la photo du boss, donc c'est pas super grave. Donc en tout cas, j'espère que l'épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit like si c'est le cas. Je vous retrouve pour l'épisode 51, où on fera sûrement un épisode assez tranquille sur le plateau du prélude, je vous en dis pas plus, voilà. Donc voilà, bye bye, à la prochaine.